t-shirt, le roadbook. Vous venez de quel endroit ? De quelle région ? Saint-Tropez. Bienvenue dans les Pyrénées orientales. Nous sommes ravis de vous recevoir. Mais l'accueil est parfait. Centre Porsche Perpignan est très fier pour la troisième année consécutive de participer à cet événement avec tous les passionnés. Donc il y a 160 participants cette année et ça fait plaisir de partager ce moment, notamment sachant que c'est les 70 ans de la marque. Le bureau, je tiens à souligner aussi, avec tous les bénévoles, sont très très dynamiques, ce qui permet d'avoir ces beaux événements organisés main dans la main. Et là, cette année, on est raccord avec l'affiche. C'est le bleu Miami, une couleur très appréciée. Un accueil formidable et une ambiance géniale. Merci.
2011. Jean-Claude, bienvenue. C'est bien ? C'est bien. Maintenant 3 ans, je m'occupe des roadbooks, donc on essaye de me dire quels sont nos points de chute, donc, quelle que soit l'activité, enfin la sortie qu'on fait, et à ce moment-là, je détermine donc le parcours en fonction justement des points de chute. Moi, l'itinéraire d'aujourd'hui, en fait, je l'ai fait au moins 7 fois. Je le connais mieux que tout le monde. Alors, celui de 2019 est déjà prêt, le roadbook est déjà tiré, les distances sont faites, voilà. Donc je travaille avec pratiquement une année d'avance. En fait, il y a une convivialité qui est vraiment exceptionnelle dans tous les meetings. Hein, tous les meetings Porsche en France, on retrouve cette convivialité et ça fait vraiment plaisir. Et ce qui m'épate, moi, avec le club Roussillon, c'est que c'est quand même un des clubs les plus jeunes de toute la fédération. Et ils ont réussi très vite à organiser un des grands événements de l'année, un des plus beaux événements de l'année qui grandit hein, petit à petit et qui vraiment aujourd'hui s'inscrit dans les manifestations incontournables. Le Centre Porsche Perpignan m'a prêté une 356B de 1962 dans un état absolument impeccable et on s'est vraiment régalé sur les petites routes, on a pris beaucoup de plaisir avec cette auto et c'est toujours agréable en fait de pouvoir justement vivre un événement comme ça avec à chaque fois un modèle un peu différent, d'une époque différente, mais qui permet de bien profiter, de bien s'imprégner de l'événement surtout. Alors la première journée de festivité se termine ce soir ici au Masdustone pour un repas concocté par Julien Bois. On applaudit Julien parce que
Il connaît la famille Porsche, il nous voit souvent. Je laisse le DJ à César maintenant. Pourtant, il n'y a que 20 questions. Merci surtout les participants d'être venus aussi nombreux, puis d'avoir ce qu'on appelle la banane au volant. Quand on les voit, ils sont tous contents. J'ai pas vu un insatisfait. On peut dresser un beau petit bilan, puisque hier, il y avait un peu plus de 150 voitures pour le rallye. Et aujourd'hui, on attend 200 Porsche sur le parking de Saint-Cyprien. C'est la troisième édition, c'est le troisième plaisir, c'est un chiffre clé. Je crois que c'est juste un plaisir qui est partagé non seulement par les participants, mais la population et puis Saint-Cyprien, quoi. Ça fait plaisir. On a la chance d'avoir eu un événement superbe, très bien organisé, avec plein de bénévoles. Hyper sympa, hyper dévoué. Et puis, ils nous ont fait découvrir des routes de l'arrière-pays. Moi, c'est une région que je connaissais mal. Donc, j'ai découvert des routes hyper sympas. Voilà. Donc, bravo le club, bravo Gilles et bravo tous les bénévoles. On est sur les 70 ans, 70 ans de la marque, donc 1948-2018. Donc on est tombé sur le week-end pile, je dirais, parce que cette année, c'est la grosse manifestation, on va dire. Voilà, 70 ans de la marque, ça se fête, surtout une marque comme Porsche. C'est un bel événement d'un club qui est relativement jeune, de par sa constitution et de par son appartenance à la fédération. Moi, je suis assez bluffé quand même quand je vois la taille de l'événement. Pour revenir à ce côté un peu exceptionnel, je suis assez bluffé
par la participation des bénévoles. Faire 10 km pour un baptême justement dans la Porsche, peut-être que ce sera la première fois.